dernière, voilà, c'est le dernier tour du débat par rapport à Troyes. Dites-moi exactement, qui est entre le plus puissant entre le prophète Mohamed et Jésus-Christ? Et qui est le chemin de la vérité? Et qui va juger au jugement dernier? Une interrogation. Okay. Alors, le plus puissant, c'est Jésus-Christ. Bien sûr, pourquoi? Parce que Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a tout pouvoir. Zombie. Contrairement à Mohamed, il n'avait pas tout pouvoir. Jamais il y a écrit dans le Coran ou dans les hadiths que Mohamed a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Le seul prophète qui a tout pouvoir, c'est Jésus. Matthieu 28, 18. J'ajoute à Matthieu 28, 18, Jean 17, verset 2. Oh. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc Jésus a pouvoir sur toute chair. Donc il a pouvoir sur tout être humain, tout poisson, tout oiseau, tout animal. Donc Jésus est vraiment tout puissant dans ce cas-là. Et s'il est tout puissant, il est Dieu, excusez-moi. Non, mais il est tout puissant. La puissance appartient à Jésus. C'est le prophète le plus puissant au monde. Il faisait beaucoup de miracles, énormément de miracles, par la permission de Dieu, effectivement. Mais en plus, ce pouvoir, il l'a donné à ses apôtres par la suite. Donc même ses apôtres devenaient puissants. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, concernant la puissance, c'est incontestable. Jésus est beaucoup plus, largement plus puissant que Mohamed. Ok, on est avec toi. Voilà, donc je pense qu'il vient de se contredire lui-même. Oui. Effectivement, il a loué la puissance de Jésus et il a dit que c'est Dieu qui lui donnait sa puissance. Mmh. C'est Dieu qui donne la puissance. D'accord. Et dans le Coran, en vérité, nous, il ne fait aucun doute que la puissance tout entière est à Allah. Mmh. La puissance tout entière. C'est-à-dire que les prophètes, aussi puissants soient-ils, ne tirent leur puissance que de Allah. Mmh. Le maître de la puissance, le seigneur de la puissance, c'est Allah, l'unique. C'est-à-dire autorité à ses messagers, c'est-à-dire de faire, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est-à-dire écarter la mer en deux, c'est un miracle, écarter la mer en deux, être avalé par un poisson et ne pas mourir. Le fait est, c'est-à-dire de commander au vent et de parler aux animaux. Encore une fois, ça c'est les miracles que les prophètes font avec l'autorité d'Allah. Par exemple, dans le Coran, Dieu il dit quoi? Dieu il dit que il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes. Après que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir, c'est-à-dire leur propre leur mode de d'emploi. D'accord. Donc c'est-à-dire que effectivement, ça c'est une autorité que le prophète, que Allah donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une puissance, c'est-à-dire individuelle, qui les fait sortir, c'est-à-dire du giron divin. D'accord. La puissance tout entière est à Allah. Allah est le maître de la puissance. Et automatiquement, quand on parle de puissance ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait, c'est-à-dire, aucune puissance. Le Dieu démontre clairement que Mohammed est un homme. Issa, Jésus est un homme. Ce sont que des hommes qui boivent et qui meurent. Même si nous considérons que Issa n'est pas mort. Ouais. Mais ce sont tous des hommes. La puissance, le fêté, c'est-à-dire de celui qui subsiste par lui-même et qui n'a besoin de personne pour survivre, c'est bel et bien Allah, le seul, l'unique. Donc en termes de puissance, nous on parle d'Allah et on ne parle pas d'homme. Et le chemin de la vérité, qui est dans le chemin de la vérité? Le chemin de la vérité, effectivement, tous les prophètes de l'islam, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, étaient sur le chemin de la vérité et ont appelé les êtres humains, c'est-à-dire à sortir des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Okay. Très, très bien. En vérité, c'est-à-dire que nous disons que tous les prophètes sont musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à la volonté de Dieu. Oui, effectivement. Donc, ils sont ceux par qui, c'est-à-dire Allah passe pour faire connaître sa volonté, ses lois et la direction. D'accord. Ils le sont sans péché, en vérité, parce que, en vérité, nous ne reconnaissons pas que les prophètes commettent des péchés. Ils peuvent commettre des erreurs de jugement. Effectivement, c'est humain. Mais de dire qu'ils commettent des péchés en tant que tels, non, ça n'existe pas. Les prophètes, c'est-à-dire, sont l'exemple. Ils sont l'exemple à suivre. Oui. Donc, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, commettre les erreurs qu'eux-mêmes viennent interdire. Ça n'existe pas. Donc, le chemin de la vérité, effectivement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. D'accord. Le dernier des messagers, on lui a révélé le Coran qui est un guide vers un chemin droit. D'accord. Un chemin dans le monothéisme pur, sans idolâtrie aucune, qui fait revivre, c'est-à-dire la volonté, c'est-à-dire de tous les prophètes qui sont passés après lui. Avant lui, et après lui, il n'y aura pas de prophète, c'est le dernier des prophètes. Le Coran a vocation jusqu'à la fin des temps. Et effectivement, c'est un livre qui guide vers un chemin droit. En dehors de ce chemin-là, il n'y a rien d'autre que l'égarement. Ah bon? Dieu dit dans le Coran, qui a-t-il
après la vérité, les gens. L'égarement. Ouais. Après la vérité, il n'y a rien d'autre que l'égarement. Or, la vérité s'est fait connaître dans le Coran, effectivement. Et ceux qui l'ont reconnu, c'est-à-dire Dieu dit, le prophète Mohammed que voici, certains l'ont reconnu comme ils reconnaissent leurs petits-enfants. Ils reconnaissent le prophète Mohammed, ils savent que c'est le prophète Mohammed, mais ils se refusent à croire en lui parce que la passion a pris dessus sur, c'est-à-dire la recherche de la vérité. D'accord. Voilà. Tu es d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas d'accord. En fait, le seul prophète au monde qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre prophète qui a parlé comme ça. Il s'incarne lui-même comme étant lui-même la vérité incarnée, le chemin incarné, la vie incarnée. C'est lui la vie et la Bible dit qu'il donne la vie à qui il veut. Jésus a dit « Je donne la vie à qui il veut. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont annoncé Christ. En fait, Jésus lui-même, il fait du christocentrisme. Il dit « À un moment, Jésus il dit aux Juifs « Ce sont les Écritures qui parlent de moi, qui témoignent de moi. » Il dit ça aux Juifs, c'est Jésus qui dit ça. Et vous ne voulez pas venir à moi. Il est en train de faire que du christocentrisme. Il n'est pas... T'inquiète. Alors, il dit, ce sont les Écritures qui témoignent de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Parce que Jésus est la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Et Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Il n'y a pas un prophète qui peut dire, je suis la vie et je donne la vie éternelle. Si ce n'est Jésus-Christ. Ensuite, il est la lumière du monde. Les prophètes ont commis, alors c'est peut-être un, moi c'est jouer sur les mots, mais quelqu'un qui commet des erreurs et commettre un péché, pour moi c'est la même chose. Les prophètes commettaient des erreurs, des péchés, c'était des péchés. Jésus n'a commis aucune erreur, aucun péché. Aucune erreur, aucun péché, et Dieu lui a fait aucun reproche. Vous allez dans la sourate 80, Allah fait un reproche à Mohammed en lui disant « N'agis plus ainsi par rapport à l'aveugle ». Mais Jésus n'a jamais fait de reproche à Dieu n'a jamais fait de reproche à Jésus, aucun, jamais de la vie. Parce que Jésus, c'est la lumière du monde, il n'a jamais péché. Et les prophètes ont annoncé la venue du Messie. Du Messie, c'est Jésus-Christ le Messie, c'est Jésus le sauveur du monde. Et c'est par lui, l'apôtre Pierre l'a très bien résumé dans un des apôtres. Il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, pas les juifs, les hommes, par lequel on peut être sauvé. Maintenant, quand il a dit ça, Jésus était déjà au ciel, vous êtes d'accord ? Si Jésus parlait de Mohammed, dans ce cas-là, Pierre aurait dit, il n'y a sous le ciel un autre nom, celui d'Ahmed qui va arriver. Pierre, il aurait dit ça dans ce cas-là. Mais il n'a pas dit ça. Même quand Jésus a monté au ciel, Pierre continue à parler de Jésus encore. Paul, il parlait encore de Jésus. Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Il n'a pas dit, c'est Mohammed que nous prêchons. Vous allez voir que quand Jésus a monté au ciel, les apôtres, Paul et les 12 apôtres, il n'y en a pas un qui a annoncé la venue du prophète Mohammed. Pourtant, on a un Pierre, un Jean, deux Jean, trois Jean, un Jacques. On a Jude, on a les épîtres des apôtres, de plusieurs apôtres. Il n'y en a pas un qui parle de la venue de Mohammed. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà venu, c'est Jésus-Christ. Il a annoncé la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Donc, le chemin, la vérité et la vie, si vous voulez, au paradis, c'est Jésus-Christ seul, la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Bon. Si c'était qualité, abonnez-vous, likez, commentez, abonnez-vous, pouce bleu au max, merci.